Good morgen, allez, Eden, je suis aujourd'hui le nom du matin, maman de Rabbi Benitzel, de Fenit, Vora Batester et Rosette Zohara Bat Sultana. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine vidéo de Michel, contactez 5 minutes. Dernier, nous étions à Sakhati Vora Batperekte, Dvav Mishnah Bet. Bet Hillel Omrim, Lo Shamanu Ela Beba'a Mina Katsir, ou Beota Medina, ou Chema Ase Shehaya. Amroulaim Bet Shamai, Achata Ba'a Mina Katsir, ve Achata Ba'a Mina Zetim. ואחת הבאה מן הבציר, ואחת הבאה ממדינה למדינה, לא דיברו חכמים בקציר, אלא בהווה. חזרו בית הלל להורות כבית שמאי. On va d'abord traduire la Mishnah, non, je vais en traduire vite fait le sujet. On parle d'une femme qui vient et qui nous raconte que son mari est mort. Est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas? D'accord, on a vu dans la Mishnah précédente qu'en général, on va aussi, mais il n'y avait pas de dispute particulière entre eux, qu'il n'y avait pas de guerre où elle a pu supposer de conclure de manière trop hâtivement que son mari était mort. Il n'y a aucun de ces problèmes. Dans ce cas-là, elle vient nous raconter que son mari est mort, on la croit et on lui dit tu peux te remarier avec un nouveau mari. Ou si toutefois elle n'avait pas d'enfant, on va lui dire tu peux te marier avec ton beau-frère, faire le mitzvah de Yibum. Maintenant, sur ça, on a Bet Hillel qui vient, qui nous met une grosse restriction et qui va finalement pas être retenue à la fin. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel enseigne Lo Shamanu Ela Beba Mina Katsir. Nous n'avons entendu cette halakha que l'on se fonde sur le témoignage de la femme. Que lorsque Ba'a Mina Katsir, elle vient de la récolte du blé ou de l'orge, ou Be'ota Medina, et que ça s'est passé dans le même pays, au Kemas et Shaya, et comme l'histoire qui s'était passée. Qu'en fait, il y avait eu une histoire à partir de laquelle on s'est fondé pour faire ça, c'est qu'il y avait eu effectivement une femme qui était partie dans les champs avec son mari pour cueillir le blé, et qu'après elle est revenue au Bedin en pleurant, et elle nous a raconté que son mari s'est fait mordre par un serpent. Pendant qu'il cueillait le blé, et le Beit Din a commencé à enquêter un petit peu sur l'histoire, ils sont partis voir sur place, ils ont trouvé effectivement son mari mort, mordu par un serpent, et dans le champ de blé. Dans ce cas-là, on dit, ah, on constate que les femmes sont crédibles sur ce point-là, on va permettre aux femmes de les croire. Peut-être que j'ai un peu manqué un petit peu cette introduction, je toucherai un petit mot après à la fin. Ça, c'est Beit Hillel qui nous dit. D'accord? Peut-être je le dis tout de suite même. Il faut bien comprendre, selon la Torah, pour pouvoir permettre une femme, il faut nécessairement deux témoins. C'est-à-dire, deux témoins et deux témoins cachés. Ça ne peut même pas être ni deux femmes, ni un esclave, ni des goïms, ni rien. Il faut qu'ils aient vu les gens. Or, vous imaginez bien, le pauvre Renarad qui n'est pas revenu du combat, on va tout difficilement trouver des témoins qui vont pouvoir nous raconter qu'ils ont vu Renarad tomber et mourir en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le Chachamim? Ils sont venus, on dit, pour ne pas laisser tant de femmes aguna, bloquées pour la vie, on va leur permettre deux choses. Soit on leur permet avec un seul témoin, ça c'était le Pérec qu'on avait plus haut, je sais plus, c'est pas de Yudalef, et soit on a une autre solution, soit c'est qu'elle-même elle vient, elle nous raconte qu'elle l'a vue. Et donc on la croit dans certaines situations. Et sur ça maintenant, Beth Hillel vient hein, et nous dit, écoute, quand Chachamim ont décrété qu'on peut croire la femme, ils se sont fondés sur un cas bien précis, comme on a dit, c'était le cas où ils étaient partis cueillir du blé, c'était dans les champs, c'était à proximité, le Bedin a pu envoyer. Dans ce cas-là, alors on croit, du coup, Ramon décrété, on croit toujours les femmes, si ça s'est passé avec les mêmes conditions. Essentiellement, tout d'abord, que c'est à proximité d'ici, ça veut dire qu'une femme, elle ne va pas nous raconter, si imaginez à l'époque, ouais, il fallait prendre 6 mois pour partir jusqu'en Amérique, mais on dit, ouais, mon mari, il est mort en Amérique, on n'a aucune preuve pour voir ce que c'est vrai, ce que c'est pas vrai, ça se trouve, le mari, il va jamais pouvoir revenir pour le moment, on ne peut pas sonder sur ça. Mais si c'est à proximité qu'on peut facilement partir vérifier, alors là, on va croire la femme parce qu'elle ne va pas prendre le risque de mentir. Dans la mesure où on va pouvoir l'attraper, qu'elle est en train de mentir, et que ça va être la hachoum, ça va être la grosse honte, D'accord? Donc Ramim, selon le premier avis de Beit Hillel au début, quoi, il s'est dit que c'est que quand sa proximité, et même mieux que ça, c'est qu'aussi quand c'était Bimek Ketzir Chitim, c'était dans les jours où dans le champ de blé, quand on était particulier le blé. D'accord? C'est un peu délicat comment comprendre ça, il y a un nom Tosot Yom Tov. La conclusion Tosot Yom Tov, c'est d'expliquer qu'en fait, les jours où on cueille le blé, la récolte du blé, c'est au début de l'été, il fait chaud dans la rue, il fait chaud dans les champs, et il a pris un coup de soleil. Et genre, même s'il s'est juste évanoui, mais le soleil, il est venu, il l'a achevé complètement. À la différence de toute autre situation où on va cueillir les, je sais pas moi, les olives vers le début de l'automne, ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, c'est plus une bonne période, on va plus le croire. Comme ça, Beit Hillel ont cru au début. Sur ça, ils sont venus, Bechamaï, ils ont rétorqué, ils ont dit, Amroulen, Bechamaï, ils ont rétorqué, Bechamaï, Achataba, Mina Katsir, je ne suis pas d'accord avec toi, qu'il s'agisse d'une qui vienne de la récolte du blé, Achataba, Mina Zetim, ou encore une qui vienne de la récolte des olives, Achataba, Mina Batsir, ou une qui vient de la récolte du vin, du raisin,
Même encore une autre qui vient même d'un pays très lointain, on ne peut pas aller vérifier. Chachamim, lo dibro chachamim bakatir la bovem. C'est vrai que l'histoire s'est passée avec le katir, avec les jours de la récolte de blé à proximité, mais ils ont décrété que si y a une situation semblable, donc ils ont parlé bérové au présent avec le cas qui s'est présenté à eux, mais ça veut dire qu'on était limité que à ce cas-là spécifiquement. Chazou, Bethilel, les Horot, que dit Béchamay, Bethilel sont finalement, ont reconnu qu'ils ont un petit peu trop forcé sur la dose en interdisant cette femme, et Bethilel sont revenus en enseigner la halakha comme Bet Shamay. En fait, n'importe quelle femme, elle est crue sur son mari, même si elle fait partie dans un endroit très loin, et même si c'était, il n'y avait ni le soleil, ni la pluie, ni tout était tout à fait normal, elle vient et elle est crue, elle est crédible, et c'est tout. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Kol Tour.